Salut à tous, je suis Gilvé et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Plutocratie avec la délicieuse Aileen ou Arline. Eh oui, c'est chaud, je connais même pas mon propre nom. Donc là, on va regarder un petit peu cette arme qui est en vente. 300 000, on va essayer de l'acheter. Ce qui est bien avec cette salle, c'est que quand je mets mon prix et qu'une personne lève la palette et que je remets un autre prix, c'est pas la même personne. En fait, je suis en train de me balader dans la salle. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Non, les petits détails. Allez, vas-y, une arme à vendre. Je l'ai acheté 230 000 et on peut la vendre jusqu'à 320. Ok, 293. 70 000 de bénéfices, c'est toujours bien. J'espère que je tombe juste à chaque fois que je calcule ces petites différences là. Parce que ça reste difficile à calculer. Hein. Allez, s'il vous plaît, achetez mes parts. Et je vais éviter d'acheter des parts, je pense. Ok, lui il me propose 0% de Smithy. Il veut acheter toutes. Bon, mais c'est même pas toutes mes parts. Je vais quand même prendre l'argent. Je prends mon argent et puis voilà. C'est plus que je n'ai mis dans la compagnie de toute façon. Parce que quand... Oh punaise. Parce que quand j'ai acheté ça, c'était beaucoup, beaucoup plus bas que ça. Sundial est vraiment mal. 34 points en moins. J'avais dit que j'allais arrêter. Non, je vais vraiment arrêter d'acheter des parts ici. On va investir dans cette compagnie ici. Qui est Leapfrog Transport. Et Leapfrog, ça veut rien dire, ça me rappelle juste Crazy Frog, et la chanson ne vient pas de Crazy Frog, tout simplement. Donc là, on a 2 millions quasiment, on va commencer à acheter des parts. Alors, on va commencer par l'alcoolo, pourquoi? Parce qu'il peut se barrer. Il s'est pas barré. On va acheter ses 9%, et on va essayer de voir si on peut les avoir. Peut-être que c'est la technique du maître, voilà, c'est ça. Il fait genre, il est sous en fait, et derrière il met des tatanes de négociation. Oh là là. Faudrait que j'apprenne cette technique. Allez, moins 6% sur l'argent. Par contre, lui, il est juste mauvais. Il est juste mauvais. Merci Evan Gonzalez. Je sais pas pourquoi ils mettent les... Je sais pas comment le jeu génère les noms. Bon, j'imagine que... Bah, ils ont mis des noms et puis c'est choisi random, mais quand même. Gonzalez, Evan, ouais, pourquoi pas. Alors, avec qui je peux négocier? Ouh. Je peux pas négocier avec lui, pourquoi ça? Il veut acheter des parts de quelle compagnie? De Smithy, ouh. Bah, je vais lui vendre les parts que j'ai de Smithy. C'est un très bon prix de toute façon. Voilà. Il veut un support. Un soutien. 300 000. Ouais, tu peux te le mettre où je pense ton soutien. Ok, à 13 jours, on va voir un peu ici ce qu'il y a. 80 000. Ouais, putain. Ouais, j'aurais pas dit non en fait à l'ours qui coûte 400 000. Allez, ok, 55, 56 000, on va voir si on peut trouver quelqu'un qui l'achète bien plus cher. Boum, 56, 79, ok. Donc Leapfrog, on va essayer d'avoir les parts qui vont permettre de contrôler la compagnie. J'aurais dû essayer de négocier avec celle à 25%. Donc là, on va t'acheter 9%, moins 13, on va prendre ça. Non, c'est dommage.
Faudra attendre le prochain quadrimestre. Je vais acheter à Jessica Diaz. Regardons un peu ce qu'elle a. La négociation, ouais. Les prix sont plus forts. Ok. Si on se foire, on va très très mal se mettre. Ok, je peux acheter autant de parts. Je vais lui acheter 20 000 parts. Ok, ce qui fait 20%. Attends, quoi? Oh, putain, je me suis foiré. C'est 200 000 parts. Les compagnies ont 1 million de parts, en fait. Regardez ça. En plus, j'ai eu une bonne réduction. Ok. Bah, c'est dommage. $190 000. Allez. Non, je vais pas lui acheter 190 000. Je vais lui acheter 90 000, ce qui fait 9%. En fait, j'aimerais diminuer celle qui a 53%. En fait, c'est elle qui est le plus important. Je peux pas avoir 51% dans la compagnie si elle en a 53. Je vais commencer à générer des points parce que... Ah oui, mais oui, c'est vrai. Oh là 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 là. Ok. On va attendre le passage du quadrimestre. Alors, 5 et 4 jours. Ok, on va pouvoir négocier à la 51%, juste ce qu'il faut. Et on va les lui racheter. Donc là, 110 000 parts. Ok, j'ai 24% dans la compagnie. On va essayer de diminuer le prix. Elle a accepté, merci beaucoup. Ok. Elle a 40%, j'en ai 24. C'est pas assez de toute façon. C'est pas assez, j'ai plus d'argent. Je peux pas proposer des votes ou quoi que ce soit. Je peux rien faire. Je peux juste déplacer mon portrait sur les technologies à rechercher. Et prier pour que les gens achètent mes parts, mais des autres compagnies. Donc du coup ici. Regardons un peu le taux de risque. 3%, les accidents 6%, ça va encore, donc la qualité c'est très bien. Ok, mais c'est très bien. Donc en fait c'est parce que je suis juste borné en fait. Parce que normalement avec 1 million 5, il y a moyen de trouver une compagnie pas très chère dans au State. Et du coup, acheter ça et puis... Et puis lancer le business en fait. C'est juste parce que je veux rester dans l'état dans lequel je suis. C'est juste pour ça. Que je galère pendant des épisodes et des épisodes. Pendant qu'on a quand même une bonne entrée. Enfin, nos biens valent quand même quelque chose. Donc lui, Smithy, il me propose 11% en plus. Punaise, mais achète-moi toutes mes parts, mec. Non, j'ai pas d'argent. Donc là, il me faut encore 27%. Et 27%, ça va coûter un peu cher. Si 16 coûte 1 million 3... Ouais. Ouais. Ça va pas être facile. La compagnie vaut combien? Ah oui, mais j'ai pas les 4 millions. Ouais, ça va être difficile. Ouais. Et c'est vraiment bizarre qu'il n'y ait pas de vote. Vraiment, vraiment bizarre. D'accord. Donc là, ils veulent augmenter le work plan. Bah, c'est Jessica qui propose ça, je vais accepter. Bah, elle a 40% des votes et moi j'en ai 24, je pense que... On peut décider du sort de la compagnie. Bah, une petite maison à vendre. Elle coûte pas cher du tout.
C'est celle qu'on avait achetée à 1 million. Oh putain, j'aimerais participer, mais j'ai pas l'argent. On va attendre un peu. Allez, 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 allez. Proposez-moi de me... Magnifique. Bien sûr. Donc là, il veut acheter les parts que j'ai dans... Je vais accepter, je vais accepter. C'est pas grave, casse-toi. Je vais acheter là, cette maison qui coûte vraiment rien du tout. Alors, Alissa, tu vas pas me prendre la tête, je te le dis tout de suite. Ok. Je vais essayer de maintenir mon argent parce que, en fait, participer dans la compagnie, j'avais combien? J'avais 24%. J'avais 24% dans la compagnie et pourtant, j'avais pas une bonne rentrée d'argent. Ok, ouais. Ça reste toujours une bonne marge. Ça reste toujours une bonne marge. Ok. Là, j'envisage de quitter l'État. Parce que le temps que mes parts soient achetées, en fait, ça va faire beaucoup de temps. 209, 230. Allez, 230. Non, c'est pas ici. Je pense que c'est mieux. Sinon, j'aurai jamais de l'argent. Et je peux passer 10 épisodes comme ça. 264. Je me rappelle même plus. Ok, ça va. Ça s'approche du prix maximum. Donc, c'est très bien. Je vais regarder un peu ici. Alors, Virginie, la compagnie coûte 6 millions. Ici, c'est la Géorgie. 9 millions, la plus petite compagnie. Punaise. Allez, au Texas. Combien? 4 millions. Ok, là, je peux l'acheter. Illinois, où est-ce que nous sommes? Illinois ici. 5 millions, 2. Vous savez quoi? Je pense qu'on va aller au Texas. On va regarder en Californie, mais je veux pas aller en Californie. 2 millions seulement la compagnie. Oh, punaise. Ok, j'essaie de voir en fait si le nom des compagnies sont les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Ok. Donc au Texas. Cette compagnie de transport. Mais non, c'est pas au Texas. Non. Bah j'ai cru en fait. Je me suis fait. Bah on va aller en Californie. On va se déplacer pour la première fois. Ohio, c'était bien, mais. Donc là, on va voyager. Le billet coûte 4 700 dollars. Le billet de train coûte 4 700 dollars. Attendez d'avoir des milliards et essayez de prendre le train pour voir combien ça va coûter. C'est ridicule. Donc là, je vais arriver le 21 septembre. Donc là, bah, je vais me faire. Je vais me faire. Ouais. Je vais me faire voler. Hein. Donc là, je peux payer. Auquel cas, je paye 700 000. 700 000 dollars. Je vais essayer de faire ce qu'il faut. Est-ce que j'ai été blessé? On peut participer aux enchères? Allez. Les risques de prendre le train, franchement. Ça va, on achète cet item très très peu. J'aurais dû me balader avec ce pistolet, ça m'aurait aidé. Non, c'est des objets de collection qui servent à rien ces trucs. Donc là, 131 000. Punaise, c'est quoi cette marge? Waouh. J'aurais pu faire 100 000. Donc du coup, le 21 septembre, on est... Non, non, stop, stop, stop. Donc là, pendant que je me racle la gorge, nous allons pouvoir acheter une petite compagnie, Cooper Transport, qui coûte 2 300 000.
Ça, c'est très 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 bien. Ou alors on pourrait acheter Kelly et Partners, mais on va acheter la moins chère. On va acheter la moins chère. Et surtout, il n'y a que trois personnes dans la compagnie. Donc Julia Cooper, Julia Cooper. Toi, je vais te dégager de la compagnie tout de suite. Parce qu'il a la tête de lion, on va essayer de le dégager. Vraiment, c'est le premier, il faut qu'il bouge. Et zut. Je vais diminuer le prix, on va diminuer le prix. Mes chances sont assez basses, mais... Merci, casse-toi de ma compagnie. Ok. Donc là, on commence à générer des points. Donc là, c'est Cooper Transport. Donc du coup, Julia, tu vas dégager aussi. Voilà, Allez, on va peut-être essayer de réussir les négociations d'abord. Et puis on va dire que la compagnie m'appartient, parce que là, c'est fail. Ok, on est en début. Ah! Attendez, 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 attendez. Je vais pas prendre le trading, je vais prendre ça. Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Ouais, non. À un moment, il faut arrêter de déconner. Ok, je vais acheter les parts ici. Ok, moins 15% sur l'argent. Ah zut, j'ai pourtant une très bonne réduction. Allez, vas-y, on continue pour plus de... Oh, punaise, Julia, qu'est-ce que tu me fais là? On se connaît depuis pas longtemps, t'aurais pu accepter mon deal. Ah, les deux s'appellent Julia, punaise. Du coup, l'une doit s'appeler Cooper et puis l'autre Ace. Non, je vais pas perdre mon temps avec ça, j'ai besoin de ma thune. Ok. Ici. On renégocie avec Julia. On diminue le prix. Et elle accepte cette fois-ci. Non? Ah, ok, merci. Merci, merci. Allez, Julia, punaise. Tu prends ta retraite à... Ouais. 22 ans. Je sais pas quel âge elle a, mais sa tête veut pas dire 22 ans. Ok, quelqu'un me propose d'acheter mes parts d'académique. 500 000, il me propose. C'est l'entièreté de mes parts, ça? Punaise. Je suis pas dans l'état, j'ai pas envie de vérifier. Le mec a compris que j'étais fainéant. Ok. Ça m'a l'air d'être réussi. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Allez, on va augmenter les chances de réussir. Comme ça, une chance sur deux. Merci beaucoup. Voilà, j'ai 53 de la part. Je contrôle enfin une compagnie, ce qui me donne un autre point. Merci. Ça me donne même 2 points. Ok. C'est très bien. Alors, Julia Cooper, la compagnie t'appartient. Ok. On se connaît pas depuis longtemps. On va deal. On va deal ensemble. Je peux t'acheter l'entièreté de tes parts, mais je ne vais prendre que 17% de tes parts. Juste 17%, comme ça je suis à 70. Non. Non. 80%, ça me semble très bien. Je vais prendre 80% de la compagnie, si elle accepte le deal. Et elle accepte. Ça reste sa compagnie, donc on va la laisser là. J'ai pas l'ennemi qui vient me parasiter, donc ça me dérange pas. Ok. En fait, j'avais besoin des 75 pour avoir mes points, c'est pour ça. Tac. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va investir ici. Ici. Et puis un ici. Voilà. On va aller voir notre grand ami, le gouverneur. Ouh, pièce. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'ambition? Ce qui veut dire que je suis obligé d'utiliser un agent sur lui. Ce qui veut dire que si je me foire avec l'agent sur lui,
C'est fini, je peux plus rien faire. Voilà. C'est pas très grave, j'ai encore 1,5 million. Donc du coup, en fait, c'est pas si mal. C'est pas si mal de ne pas acheter toutes les compagnies. Mais on va quand même changer un peu les choses. Il faut arrêter... Regardons un peu le CEO. Ok, il est pas top top. On va essayer de changer ça. Enfin, j'ai l'impression de jouer au jeu, quoi. Ok, donc là, nous avons une personne qui veut être CEO. C'est Jacob Abramson. Il a 5 et 4 étoiles. Il coûte même pas cher, 5 000 seulement. On va l'engager. Ok, négociation réussie. Magnifique. Il m'apprécie en plus. Ben, c'est très bien. On regarde un peu ce qu'il y a dans la compagnie. Il n'y a aucune dette. Il y a un peu d'argent dans la réserve. Combien de parts sur le marché est-ce qu'on... Ouh, regardez ça. On a même pas 1% de parts. Ouais, on va pas se faire de la thune comme ça. Ouais, ça va être... Ok. On gagne juste 2000 en faisant ça. C'est pas non plus le truc de fou. Ok. Non, on enlève les recherches. C'est vraiment, je veux maximiser l'argent que je gagne. Ok. Je vais être obligé d'augmenter ici le salaire des employés pour éviter d'avoir des risques. 8% et ici nous sommes à 14%. Ok. Ouais, nous sommes très très mal classés. Je peux envoyer mon portrait. Si tu veux bien. Ici on monte un peu de 4000. Là ça va diminuer. Ouais, c'est pour les accidents en fait. Non, accident c'est en haut, ok. Tac. Alors les dividendes. Non, on va étendre un peu la compagnie. Donc là, on peut mettre 20 places. Ouais, on va mettre 20 places. Ok, on produit. Ah bah c'est très bien. C'est très bien, ça me fait un autre point. Ok, là j'ai 100 000 par tour. Donc du coup, 100 000 par tour, on va prendre ça. Pour les agents. Ou alors je peux ici demander un prêt. Mais ça me demande d'être ami avec plusieurs personnes. Ce qui va être un peu difficile. On va prendre les... le truc des agents. Même si j'avais dit c'est pas très grave. Donc là nous avons 100 000 par tour. Cette compagnie va croître. On va acheter des parts dans l'autre compagnie aussi. Ah lui il m'aime pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il m'aime pas? Parce que je suis... Parce que j'ai une compagnie en fait, tout simplement. Il a 39%. C'est pas très grave. T'as pas besoin de m'apprécier, mec, je te le dis. Parce que si t'as même pas la majorité dans ta compagnie, c'est pas moi qu'il faut en vouloir. Hein. Ah, dommage, punaise. Parce que là, je peux acheter plus de 50% ici. Allez. Merci bien. Punaise, cette compagnie, il n'y a personne qui m'apprécie. Je pense qu'ils vont tous partir, c'est mieux. Parce que je partage avec ceux qui m'apprécient. C'est normal, hein. On fait profiter nos amis, c'est... C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, toi, devine ou devin. t'as que 6%. Oh, punaise. Non, les compétences diplomatiques peuvent être pas mal. Lui, je peux pas négocier avec lui.
27 000. Ouais, bah on va l'acheter pour nous. Mais vraiment, c'est... Non, avec 100 000 de rentrée par tour, c'est très très bien. Tous les items qui sont en dessous de 100 000, on peut les prendre rien que pour nous. Comme ça, on a une petite marge. Ah, bah voilà. Merci. Ok, on a 19%, on peut négocier avec une seule personne. Ah oui, d'accord, la petite Lorraine, en fait, c'est un trimestre entier. Avant de pouvoir négocier avec elle, d'accord. Donc toi, je vais augmenter les chances, ou c'est un peu cher. Allez, on va faire ça. C'est raté aussi. Alors, je peux pas utiliser mon agent sur lui parce qu'il est déjà en utilisation. Allez. Moins 14%. Ok, ça m'a l'air d'être super réussi ça. 47% de la compagnie. Oh, aïe, ça c'est bien. Ok, j'ai besoin de ces deux-là. Juste lui, 13 jours. Ok. Nous sommes le 12, ça va. Punaise, je vais pouvoir acheter la compagnie à Noël. C'est génial. Ça va être mon cadeau de Noël pour moi, ça. Ok. Devin Howard, va pas te moquer de moi, s'il te plaît. C'est Noël. Accepte cette négociation. Rentre chez toi pour manger, je sais pas ce que ta femme t'a préparé. Pour voir tes enfants. Magnifique. Eh oui. On lui parle de bouffe, le mec il est parti. Donc là, je contrôle une seconde compagnie. C'est très très bien. On va essayer de virer ces deux-là. Ok. Un autre CEO qui est pas top. Je suis désolé pour toi, ma petite Emily. On va prendre ici Jack White. Ouh, Jack White, il veut pas être CEO par contre. Ah, ici. Kyle Price veut être CEO. On va le mettre. Voilà. Comme ça, on remplit des ambitions en même temps. Regardez ça, il m'apprécie. Les stats, qu'est-ce qu'on fait? On augmente déjà ici. On engage du monde. La recherche, on diminue la recherche à zéro. On va regarder un peu ici. Les risques de strike. Ouh là 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 là. On va augmenter. L'argent monte en même temps, donc c'est très bien. Non, là ça diminue, ça sert à rien. Donc là, le work plan. On va cliquer dessus. Ok, on produit 200 000. Ah oui, bon bah attendez. Je vais montrer autre chose. Je vais montrer autre chose, ouais. Donc là, on a la majorité dans la compagnie. À chaque fois, on augmente l'argent pour générer un max. Donc là, je vais diminuer. Je vais enlever en fait les employés. Je regarde si la compagnie a une dette. Elle a des réserves. Okay. Et je vais étendre la compagnie. Au max, voilà. Et du coup, en fait, ici, comme il n'y a pas de rentrée d'argent, nous sommes dans le rouge. Les parts vont coûter beaucoup moins cher. Donc là, on va avoir un petit crash. Le mec est pas content. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il veut acheter des parts de Foster Pétrole. Ça coûte 600 000. Ça coûte 600 000. Non, je peux pas lui donner 600 000 comme ça. On va le forcer à partir. On va devoir le forcer. Ouais, donc là, la compagnie va vraiment être pas bien. Donc là, on a descendu un petit peu. On perd de l'argent, la compagnie va valoir moins d'argent. Donc, bon, on va s'arrêter là.
On va s'arrêter là et on va continuer du coup à mettre cette compagnie dans le mal, essayer de voir ce qu'on peut faire avec Mason Kelly. En fait, j'ai juste besoin d'avoir juste l'argent qu'il faut pour négocier avec lui. Donc si j'ai pas l'argent, ça sert à rien en fait. Donc on va voir ce que ça va être dans le prochain épisode. Donc là, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut!